Chapitre 24, le cardinal du Vatican. Félicitations. Ton nouveau travail commence maintenant. Et en plus, c'est avec une célébrité du Vatican, s'est moquée ma femme, en descendant de l'aéroglisseur. Manoul nous attendait à la maison avec Valencio, qui était accompagné d'un homme de taille moyenne, bien habillé et en costume. J'ai réalisé que ce devait être le cardinal Riemfort. Il m'est venu à l'esprit que je devais sans doute faire une génuflexion. J'ai scanné son visage, qui était doux et amical, pâle, avec un nez légèrement prééminent et des yeux expressifs. Il y avait des traits très fins autour de ses yeux et de sa bouche. Sa tête était rasée de près à l'exception d'une couronne de cheveux gris. Il avait l'air très agréable. Il portait une chemise mauve et un costume gris bien taillé. Je n'ai pas eu le temps de m'agenouiller. En tant que non-catholique, c'est une décision difficile à prendre. À ma grande surprise, il s'est agenouillé avec élégance et m'a embrassé la main. « Bon sang, me suis-je dit, en me rabattant sur l'expression de ma grand-mère, cet homme est-il fou ?»« Merci, s'écria-t-il dans un anglais impeccable, en se levant rapidement. « Je vous suis très reconnaissant de vous être occupé de mon pupille Valencio. » Dès qu'il a disparu, j'ai deviné qu'il viendrait ici comme je venais de lui parler d'Agartha, mais n'étant jamais venu moi-même. Quand j'étais jeune, avant de devenir prélat, j'ai rencontré un marin qui me racontait des histoires sur votre pays et j'ai toujours voulu le visiter. Le pape m'a confié la tâche de retrouver le garçon et de lui demander de revenir. Le pape ne peut jamais reconnaître ouvertement sa paternité, mais je peux aider Valencio s'il veut rentrer à la maison. J'ai essayé d'être un père pour lui depuis qu'il est né. Valencio sera élevé comme un cardinal, mais nous respecterons sa volonté. J'ai pris le bras du vieux monsieur et je l'ai conduit dans la maison. Ma femme a pu lui préparer une tasse de café fort que le prélat a bu avec plaisir. Votre éminence, voudrait-elle voir davantage de ce pays à l'intérieur de la terre, demandai-je, encore secoué que le vieux prêtre se soit agenouillé devant moi. Teach renifla le cardinal, lui lécha la main et s'assit à côté de lui. Mon chien sensible a montré une nouvelle fois qu'il avait des sentiments positifs. « Merci, j'aimerais bien. » Riemfort fit un signe de tête et sourit. « Ce serait merveilleux. » « J'aimerais peut-être rester. Les rouages du Vatican sont devenus trop lourds pour moi. Mon fils est ici et a déjà exprimé le désir de rester. Et pour autant que je sache, vous croyez au même Dieu, n'est-ce pas ?»« Sicilia a répondu. La lumière du Créateur provient de la source inépuisable, la source de la vie. Nous vivons à l'unisson de la source, de la lumière et les uns des autres. » Ensemble, elles représentent l'amour de Dieu pour nous. A dit le cardinal pensif. Je ne l'ai jamais entendu formuler comme ça avant, mais ça sonne bien. Je peux être d'accord avec cela sans aucune hésitation. Je suis reconnaissant de pouvoir rester ici quelques jours et de mieux vous connaître avec Valencio, ou Val, comme je l'appelle habituellement. Je peux m'engager à vous faire visiter votre éminence, a déclaré Manuel, qui était jusqu'à présent aussi silencieux qu'une souris, assis à côté du prélat. Nous avons des prêtres qui peuvent développer notre philosophie spirituelle. Et de toute façon, vous devriez faire l'expérience de notre merveilleuse campagne. Il y a une bonne maison d'hôte à Telos où vous pourriez séjourner. Si je pouvais rester avec Valencio, alors j'accepterais volontiers. Le cardinal se leva, s'inclinant d'abord devant ma femme et ensuite devant moi. Il a accompagné Manoul jusqu'à l'aéroglisseur. « Il voudra rester ici, » dit ma femme avec satisfaction. « Quel homme gentil !» Je me suis précipitée chez grand-mère avec des nouvelles de la visite. Elle et son nouveau mari, Alex, étaient en train de déjeuner dans le jardin lorsque je suis arrivée. Grand-mère m'a pris dans ses bras. « Mon cher garçon, » s'exclama-t-elle, « je commençais à me demander où tu étais passé. Nous avons visité des endroits très intéressants, dont un jardin botanique avec des plantes de la surface. Imagine un peu.
Il y avait des tussillages, des anémones de graisse, du muguet et bien d'autres de mes plantes préférées. Je leur ai parlé du fils du pape et de son tuteur, le cardinal, qui se sont rencontrés ici. J'ai aussi expliqué que le cardinal envisageait de rester. Grand-mère était pleine de joie. « Quelle charmante personne on trouve ici, » dit-elle en riant. « Nous devons organiser une fête. Il faut que je rencontre un vrai cardinal. J'aimerais lui dire que c'est vraiment la religion. » Alex et moi avons échangé nos regards. Aucun de nous n'avait prévu de laisser grand-mère partir. Les célébrations de Vesak arrivent, fait remarquer Alex. Apparemment, c'est une fête que nous partageons avec la surface. C'est une célébration de la naissance de Bouddha et de son illumination, un hommage à la lumière. Jamais entendu parler, répondis-je. Elle m'a complètement échappé là-haut et si bas. C'est un peu comme Dieu. Comment les deux dieux se comportent-ils? En étant exactement les mêmes, répondit Alex sèchement. Il n'y a pas de différence du tout. Nous sommes entourés par le grand esprit et la source, unis dans un tout indivisible, l'unité. Je n'ai jamais été très impliquée dans la religion, avouai-je, légèrement gênée. Je n'avais pas réalisé qu'il y avait une vraie religion ici. Appelons ça une croyance, fit remarquer Alex. Le concept de religion est surutilisé et n'est pas utilisé ici. Je me demande où se fait l'éducation ici, surtout l'éducation supérieure, a dit grand-mère. Je sais que les petits-enfants apprennent à Portologos, mais il doit y avoir d'autres types d'éducation et même une formation professionnelle, peut-être. Il y en a, ai-je répondu. Il y a des centres d'éducation, comme nos universités, un peu partout. Grand-mère s'est exclamée. C'est génial. Je pensais à Valencio. Ça ne lui ferait pas de mal de continuer ses études. Je suis sûre que c'est bien de connaître l'arménien, le latin et d'autres langues anciennes, mais il a besoin de se familiariser avec la mise en forme, ainsi que des connaissances générales sur la surface et la cinquième dimension, sur lesquelles Alex et moi travaillons. Vous savez que j'ai toujours été intéressée par la magie, et la magie blanche est en cinq dimensions. En fait, c'est ce que j'apprends avec Manoul, ai-je approuvé. J'apprends auprès de lui et d'un vieux camarade appelé Arniel. Grand-mère Harry, ils ne t'apprennent évidemment pas l'humilité, a-t-elle fait remarquer. Mais peut-être que cela viendra plus tard, quand tu seras en cinq dimensions. J'y suis déjà en partie, lui répondis-je en boudant un peu. Je me suis mariée à une femme en cinq dimensions, pour le plus grand plaisir de ma grand-mère. Je lui ai raconté l'histoire de notre visite chez les parents de Sicilien. Alex m'a dit que je faisais partie d'une famille aux racines et aux traditions anciennes, et qu'il serait tout aussi bien que je me dépêche de rentrer à la maison pour fêter cela. Je leur ai fait des adieux précipités, j'ai dû m'occuper du cardinal et accompagner ma femme aux festivités. Je pourrais peut-être combiner les deux. Chapitre 25. Festivités à Agartha. Le cardinal Valencio et mon ami Manoul m'attendaient dans le salon. Manoul s'est précipité pour m'embrasser. « Je nous ai commandé un aéroglisseur », a-t-il déclaré. « Nous allons montrer au cardinal Remfort une de nos plus belles traditions. Je pense qu'il sera impressionné. » Cette dernière phrase, il l'a chuchotée à mon oreille avec un grand sourire. Je regardais le cardinal. Il était en habit de clerc, avec un drôle de petit chapeau à pompons et une capuche de soie violette, couverte de broderie. Je m'inclinai alors. Il m'a fait un sourire amical. « Je ne sais pas où nous allons, » m'a-t-il dit, « alors c'est aussi bien si les gens peuvent voir qui je suis. » Les vêtements de bureau n'ont probablement aucun intérêt dans ce pays, observa doucement Manuel. « Mais votre éminence a l'air si élégante. Il serait dommage de ne pas montrer ces merveilleux vêtements. » Valencio Val, comme nous l'appelons maintenant, avait l'air un peu trop gêné. Son jean blanc était sale et sa chemise bleue à carreaux froissée. Il avait joué avec les enfants et n'avait pas eu le temps de se changer. Ma femme est venue à la rescousse. Elle a fabriqué un costume blanc absolument parfait, une chemise en soie et une cravate, et je les lui ai présentés. « Voilà !» Elle a souri. « Je suis sûre qu'ils tireront. Ce ne sont pas les vêtements qui manquent ici. Vous pouvez vous changer dans la chambre. Tim va se changer aussi. J'ai étalé ses vêtements sur le lit. Allez-y, partez tous les deux. » Je devais porter le costume folklorique traditionnel d'Agartha. Un pantalon de soie naturelle, une belle chemise brodée avec des pierres incrustées, et une ceinture large et raffinée avec des broderies ornées de bijoux. Ces ceintures sont vraiment magnifiques. Dessus, on peut y voir des carrés d'or, finement réalisés,
avec une multitude de pièces précieuses illustrant l'histoire d'Agartha. Elles indiquent également l'histoire de la personne qui les porte. « Je ne me sens pas très bien », murmura alors Val en se changeant. « Oncle Luigi, le cardinal, veut que je retourne au Vatican avec lui et il est vraiment têtu. Il ne changera pas d'avis. » « Mais il a dit qu'il voulait rester. J'ai été très surpris. A-t-il changé d'avis ?»« Il faisait juste semblant pour me rendre heureux. »« Oh, s'il vous plaît, aidez-moi. Je ne veux pas y retourner. Je veux rester et faire ma vie ici. » Il s'est arrêté de parler quand le cardinal est arrivé avec Manol. « On y va maintenant. Dépêchez-vous. Émilie et son mari viennent avec nous, car ils ne savent pas où nous allons. Il y a un lieu de fête, vous voyez, venez. » Nous avons couru hors de la maison. Et avant sauter dans l'aéroglisseur avec mon chien turbulent. Titch prenait beaucoup de place, mais je ne pouvais pas lui refuser le voyage. La superficie de la zone de fête était énorme. Il m'est difficile de la décrire dans sa totalité, car on ne pouvait pas voir d'un bout à l'autre. Et elle était remplie à craquer de meuniers. C'était comme un énorme bol de riz au lait, car la plupart des gens étaient habillés en blanc et beaucoup de femmes portaient un foulard blanc. Ces foulards étaient tressés de façon originale et étincelaient de bijoux. Je n'ai jamais rien vu de tel, ni même imaginé quelque chose d'aussi incroyable. Au milieu de la foule, il y avait une arène circulaire, comme dans un cirque. À notre arrivée, un chemin s'est ouvert à travers la foule et les gens se sont inclinés et ont fait des signes de la main. « Pourquoi sommes-nous autorisés à passer ?» ai-je murmuré à Sylvia. « Ils peuvent voir ta ceinture, » m'a-t-elle répondu. « Seuls les gens qui travaillent au conseil ont une ceinture comme ça. » Je n'en avais aucune idée. Des questions me sont venues à l'esprit lorsque nous avons été conduits à l'arène et invités à nous asseoir. À ma grande surprise, les parents de Cecilia étaient là et j'ai reconnu de nombreux visages que j'avais vus lors de ma visite à la salle du conseil. Arniel est apparu et nous a tous accueillis. « Nous avons toujours une grande assemblée à Vézac », a-t-il expliqué. « Que ceux qui peuvent viennent, il y aura des chansons, des discours et des pièces de théâtre. » J'ai regardé autour de moi, nous étions assis en cercle sur des canapés blancs bien garnis, autour d'un grand espace vide au centre. Soudain, il y avait un homme sur un podium doré. Il avait des cheveux et une barbe châtain clair et les yeux bleus foncés les plus clairs que j'ai jamais vus. Il souriait, rayonnant d'amour et de beauté. « Mes chers concitoyens, mes sœurs et mes frères, a-t-il dit, nous sommes réunis ici ce soir, pour célébrer l'amour de la lumière et de la source, comme nous le faisons habituellement. Que toutes les facettes de la lumière soient en nous et constituent une connexion lumineuse avec Dieu. » Le prélat du Vatican s'est levé et d'une voix de tonnerre a appelé « Et Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu !» L'homme à l'estrade tourna son visage barbu vers le cardinal. En souriant, il lui dit « Vous êtes nouveau ici, n'est-ce pas ?» Sinon vous sauriez que je suis Jésus, connu sous le nom de Christ à la surface, et que je suis l'un des maîtres de Shambhala. Aucun d'entre nous ne veut prétendre à être le Fils unique ou toute autre distinction. Personne ne nous prie. Le seul qui illumine le ciel est Dieu, qui règne en maître et qui est source de toute création. Pour nous, il n'y en a qu'un. Blasphème ! Cria le cardinal. Le visage rouge vif. Je ne crois pas un seul instant que tu sois Jésus-Christ. Comme s'il était sous terre en train de parler à nous tous, les Tom, Richard et Harry, nous vous blasphémez contre tout ce qui est saint en vous faisant passer pour le Fils de Dieu. C'était votre suggestion, pas la mienne. La voix de Jésus était désormais glaciale. Est-ce que vous reconnaîtriez une manifestation physique de Jésus? J'ai bien peur que vous soyez en nos troubles, mon ami. « Tout le monde ici sait que je suis Jésus, que Saint-Germain est Saint-Germain, et que Melchizedek est Melchizedek, et que nous, et beaucoup d'autres qui sont des maîtres, existons dans la cinquième dimension, à Shambhala. »« Oh, bien sûr !» s'écria le prélat, de plus en plus fâché. « Si tu vivais là, tu aurais plus de 2000 ans. Vous êtes tous des menteurs. » Le pire, c'est que toute la population semble croire à vos affirmations fantaisistes. Il se mit en colère, de sorte que le petit chapeau avec le grand pompon se retrouva perché sur une oreille. Le public a éclaté de rire et nous sommes joints à lui. Val est allé tirer son oncle par le bras.
Allez, oncle Luigi, ça ne sert à rien. Nous rentrons à la maison demain, répondit le cardinal. Et tu viens aussi, même si je dois te porter. Je ne savais pas que le célèbre paradis de Shambhala était un repère d'escrocs et de voyous. Je n'aurais jamais dû venir. Je suis heureux de t'avoir trouvé, mon fils. Maintenant, tu vas revenir avec moi et lire pour la prêtrise. Je suis sûr que le pape a un poste intéressant pour toi. Vraiment ? Val était en proie à une colère à peine dissimulée. Si vous pensez que je vais prendre un faux poste, vous êtes alors très mal informé au Vatican. Je ne viens pas, je reste ici. On verra ça, a dit le cardinal sur un ton de supériorité. J'ai entendu cet échange et j'ai conclu que le garçon avait besoin de soutien. Jésus est descendu de l'estrade et ce que je lui ai murmuré lui a laissé un sourire sur les lèvres. Il a fait un signe de tête en signe d'affirmation. Le cardinal avait l'air sinistre. Il traînait un Val réticent par le bras, essayant de se frayer un chemin à travers la foule. Il n'avait pas appris à planer, et les gens s'écartaient en poussant des cris de joie et des tapes amicales sur son épaule. Une charmante jeune fille rousse et pleine d'entrain se permit de réarranger le chapeau du cardinal et fit signe à Val. « Il y a quelqu'un qui veut te rencontrer, dit-elle. C'est important et c'est lié au travail. » Il ne va nulle part, marmonna le cardinal. Il retourne à l'hôtel. Ce pays a été abandonné par Dieu. La jeune fille, cependant, a mis sa main sur la sienne, qui tenait Valencio fermement. Les doigts du prêtre abandonnèrent la manche de Valencio et notre très respecté prélat commença à disparaître. En un instant, le cardinal et son éblouissante tenue avaient complètement disparu. Jésus et moi, nous tenions à proximité en compagnie du garçon italien, alors surpris. « Le cardinal est de retour au Vatican, » a expliqué Jésus. « Je l'ai renvoyé chez lui, car son comportement n'était pas propice à notre bénédiction festive. « Voulez-vous aller avec le cardinal, Remfort, Valencio ?» Valencio secoua la tête avec vigueur. Il avait saisi la main de la jeune fille rousse et Tiche, malgré le choc, essayait de sauter et de grimper sur eux. Jésus est remonté sur le podium en riant et a fait signe à un orchestre invisible qui a alors commencé une merveilleuse mélodie. Les gens dansaient là où ils le pouvaient, les pieds sur terre et les bras autour de l'autre, en se balançant au rythme de la musique. Un très bel arc-en-ciel faisait guise de décor lors de cette chanson énergique. J'ai regardé les deux jeunes gens faire manifestement connaissance. Val a regardé la fille et elle l'a regardée. Je me souviens de ma première rencontre avec Cecilia. C'était aussi lors d'un bal. « C'est la fille d'Armiel, » me murmura quelqu'un à l'oreille. « Elle s'appelle Tihira. Elle va s'occuper de Val. Ne t'inquiète pas. » C'était Manoul qui m'avait rattrapé. Tich m'avait trouvé tout de suite, bien sûr. Nous sommes retournés sur le canapé blanc à côté du podium. Le reste de la soirée était comme dans un rêve. Je pensais qu'il y allait y avoir beaucoup de discours ennuyeux, mais il n'y en a pas eu. Il y a seulement eu des chants et des danses d'une qualité que le métropolitaine aurait envié. Il est difficile de trouver des mots pour décrire cette nuit-là. Je tenais la main de ma femme, grand-mère tenait celle d'Alex, et Val tenait celle de Tihira. On nous a servi de délicieux plats et des gâteaux, et nous avons bu le vin local d'Agartha. La foule se réduisait au fur et à mesure que la soirée avançait et nous avons tout apprécié. L'air était agréablement chaud et lourd. On sentait l'arôme des fleurs et des herbes. Nous en avions assez pour s'assoupir.